Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Dans cette vidéo, je vais faire une vidéo à vocation bah, du coup, sur les deux versions, sur la version Glow, sur la version Jap. Et cette vidéo s'appellera encore une vidéo enfin. En soi, ça attend. Enfin, puis moi, j'attends un topo d'Okenfest qui se transforme en deux de la destruction. Les animations sont stylées, bien plus que celle de Kale que j'avais aussi une grosse attente, mais je pense un petit peu moins. Parce que Kale, à part ressembler un peu à Broly, en soi, c'est stylé, mais topo, bah, il a un design qui est pas connu et vraiment c'est super stylé. J'adore ce qu'ils ont fait vraiment sur la Jap. Même si en soi c'est pas mon compte principal, peut-être espérer la voir, ça serait déjà bien. Là, c'est le SSR du détecteur. Ce Goku il a pas encore de ZTVR, mais après voilà, c'est pas mon compte principal. Je vais faire seulement que 2-3 multiples, après je vais aller sur la globale. J'ai un peu baissé le son, parce que en somme, la différence de son entre les deux versions n'est pas le même. Et je sais que c'est pas forcément recommandé de faire des multis sur les Neo Support, mais moi j'en ai aucun. Donc en soi, je vais cramer mes 300 DS, à part si j'arrive tous les obtenir en 150 DS, mais je vais voir ça tout de suite après avec vous. Là, on n'a pas eu d'animation particulière, donc c'est le dernier SSR. Kid Buu, on t'attend toujours un LR, toi. Il y a pas mal de LR. De perso un peu moins intéressant que toi qui a eu des LR Pilaf, Ribrian, Docteur Willow, et toi t'as toujours pas de LR. Même de toute façon, il y avait un même quand les trois cartes là sont sorties presque en même temps, que en disant bah des cartes, des persos un peu inutiles ont eu des LR avant Kid Buu. Attention, SSJ3, qu'est-ce que ça veut dire? Les derniers persos, oh. Bon, en soi, je vous avoue, certes, le perso il est un peu bizarre à jouer, mais en soi, je suis quand même content enfin qu'on a un perso univers 3 dans Dokkan. Parce que, en soi, j'adore plus, comme j'avais déjà dit dans un post Insta, j'adore plus les persos de l'univers 3 que de l'univers 2. Et en plus, maintenant, tu peux faire une full team univers 2. Attention. Donc, on n'a pas nos Rildo garantis. J'avoue. Si j'ai Rildo, je serais content. Après, on peut avoir d'autres cartes en dehors de celle-ci, parce qu'en soi, c'est des garanties, une des deux. Mais en son soi, après, on peut avoir une chance hypothétique d'avoir les deux, mais à voir. Le Vegeta Gorille, je crois que je l'ai à 100%, mais je suis pas sûr. Si je l'ai 100%. Pan, ok. Ok, la multi, elle est déjà bien, ben. Ouais, Vegeta j'ai bien 100%, j'avais un doute, mais bien sûr que oui. En soi j'y réfléchis après, mais en soi oui du coup. Mais du coup là, on veut, je veux dire Pan, on veut plus Pan, là on veut Rildo. Est-ce qu'en soi, ça serait quand même bien, au final, d'avoir un doublon de Pan. Mais en soi en termes de collection, j'aimerais bien avoir un exemplaire de chaque unité du coup. Le truc, oh bah c'est bien, je l'ai pas le Goten. Le Goten c'est Piccolo, même sans il est pas si fort que ça. Pardon. Non non. J'ai pas Rild au dos, je suis deg. Ah, après si on fait encore une multi, on peut avoir un vieux Kai. Donc là en soi. Là le Trunks tech je l'ai 100%, mais je crois pas que j'ai le Vegeta tech du CND. Donc en soi, si j'ai ben, un des deux garantis et le Vegeta à Saiyan ben je suis content. Saiyan 3. De toute façon, je sais pas si on peut avoir un CG Gold là-dessus, mais je pense qu'il peut avoir 3 SSR. C16. Attention. Chaozu. Guildo. Nail. Tenshinhan. Oh, j'adore en plus son artwork en TR pour être offert avec vous. Parmi ceux que j'avais dire. Quand ceux que j'avais verrai et que je mettrai un sticker dessus, ben celui-là, on voit casse pas les losanges, c'est super stylé. Donc en soi, ben c'est bien, même si en soi je crois que le perso il est moins intéressant que l'autre, que dire que Ten, que celle plutôt, pardon. Allez, maintenant il reste plus qu'à espérer voir celle. Ça serait quand même dommage que sur toutes les multis j'obtiens uniquement que les persos super et pas les extrêmes. Là, deux fois le même, ok. Oh, lui, je crois que je l'ai à 2 ou 3 doublons, donc j'ai pas 100%, donc c'est bien. Yes, j'ai les deux. J'ai les deux.
C'est top. Là, sur les textes, je suis content. Allez, là-dessus, ben, en soi, tous les persos m'intéressent parce qu'en soi, j'ai ni le Thomas ni la Tilly à 100%. Donc, en soi, là, peu importe le SSR que j'ai, je suis content. Je dis ça, et en plus, il y a le trio légendaire. Les trios terriens. De toute façon, ça dit détecteur, ça. Mais de toute façon, il y a déjà ben, un des deux néo-supports. Garantie, pas mal couleur, ça m'aidera pour augmenter l'aspect free to play du tech que ZTR d'il y a 2 ans que j'ai pas fini de SP 15. Yes! En plus, j'ai plein d'exemplaires de plein de Sangwan Petit, donc en soi, autant pour l'eau pour le LR, ça va être intéressant parce que en soi, après là, c'est un détail, mais en soi, ben là, les couleurs forme finale, ils peuvent s'éveiller avec ce couleur là, donc là encore, j'en ai 5, ben en soi, c'est ce qu'il me fallait maintenant. Maintenant, il me faut le Vegeta. Allez. Toujours détecteur, c'est bien. Je sais même plus l'autre sert que j'avais obtenu avec Krillin, maintenant je sais même plus. SSJ3, allez. SSJ God, oh yes, 3 SSR. Est-ce que on peut avoir un LR? C'est vrai qu'il y a un taux d'avoir un DLR dessus. Brian. Ouh, Freezer, je crois que j'ai déjà 100%. Mais quand il aura un ZTR. Oh yes, oh yes. J'ai les deux Vents aussi. Po po po. Oh. Ah ben, Brian, j'ai pas 100%. Allez, on est bien lancé. Il y a ce moment que le premier que j'ai pas le type à 100%. Et alors là, les puissances, ils sont super forts et tout. Autant l'un ou l'autre. Même si je sais que le Gohan puissance il est pas fort, en soi si je l'ai, je suis pas mécontent, comme ça me fait une carte en plus dans ma collection. Et même aussi, au-delà, comme j'ai dit au début de la vidéo, au-delà que les persos sont forts avant les 9 ans, c'est qu'en soi j'en ai aucun. Parce qu'en soi, c'est toujours des persos qui sont pas. Ouh! C'est des persos qui. Pff, et ben dis donc. C'est des persos qui sont apparus il y a très longtemps et que j'ai pas fait les. J'étais pas. Bon, je jouais pas beaucoup. Je joue pas beaucoup au jeu quand ils étaient sortis. Ah non mais là il faut que je fasse une multi. Grenouille multi un screenshot. Trois doublons. Il y a deux doublons, trois exemplaires. Et bah le hit qui est clairement un des plus intéressants, je crois même le plus intéressant, je l'ai avec deux doublons. Parce que souvent, après, en soi, ce que j'ai aussi vu par rapport à Donovan, et ce que c'est vrai, les persos, son doublon sont pas très forts, mais avec un doublon, c'est déjà pas mal. Donc là, je peux pas me plaindre qu'il sera pas bon. En plus, quand le Goku, le Gotku et LR puissance, dire quand le LR, ouais, le duo Goku et Hit, LR en sans ZLR et tout, ben, en soi, les deux ensemble, ce sera très fort. Rild, j'ai peur, je t'avoue, je veux, je vais dire, je t'avoue, oh yes, oh yes. Je crois plus qu'ils ont tous des spé free to play, donc en soi les persos, en soi t'as même pas besoin d'investir de vieux Kai, même si en soi t'en auras 10, donc en soi 10. Ouais, ce que je veux dire, je voulais dire un truc en termes de calcul, mais en soi 10 x 10 ou 10 fois des persos qui ont uniquement que 50% d'éveil de spé, c'est un peu long, j'avoue, mais au moins là je les ai presque tous, je vais peut-être encore faire une multi à 50 DS sur le premier type. Où j'ai pas eu l'autre perso, je sais que c'est pas worse. Zabra, vous deux, je vous ai à 100%, je crois. Le Piccolo, je suis pas sûr, mais le Dabra, oui. En plus, aussi, l'artwork de ce Gohan en dehors, c'est super stylé. Oh non, c'est plus sa version SR. Après, j'en parlerai dans la vidéo mise à jour que j'attendais juste de faire cette dernière vidéo à vocation avant de faire celle-ci, mais par exemple, là. J'aimerais bien mettre plus le sticker sur sa version SSR parce qu'en SSR, il est super stylé le perso. Et. Ah non, il y a uniquement Piccolo. Ah non, ça. Ah oui, parce que Piccolo il a déjà eu son ZTUR. Et comme la plupart des persos qui n'ont pas de ZTUR pour l'instant, ben, en soi, je leur laisse à 97% de. Comment ça s'appelle? En fait, je remplis pas les derniers cases parce que. En soi, je veux pas mettre un truc avant qu'il lance son ZTUR et tout parce que. Par exemple, je vais prendre un exemple OP, si avant un perso est super fort. En mettant plus d'additionnel et qu'après son ZTR il est plus fort avec du critique, en soi ça va servir à rien de le monter comme ça, donc en soi je préfère toujours attendre maintenant du coup.
Le goal endurance, je l'ai déjà 100%. Et là, il me faut le bout du coup. Où j'ai eu peur. Oh non. Pas content, comme on pourrait dire. Le végétal, je crois que je l'ai passé P15. Oh là là, je suis dégoûté. Là, je vais être obligé d'investir sans DS en plus. Ah, ça, j'aime pas faire ça. Parce que là, au lieu d'investir 300 DS, je vais investir 400 DS. Et ça pique. Parce que vraiment, après, là, si vraiment, là, je les obtiens pas, en soi, là, je vais les acheter avec les pièces bleues. Parce qu'en soi, j'ai pas envie de me ruiner sur ce portail. Toi, j'étais 100%. J'ai eu peur que c'était là. Hein? Ah, je sais. Oh, merde. Oh, le con. C'est vrai que j'ai plus la chance de les obtenir. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Eh ben, j'avoue, c'est bien, mais pas totalement. J'ai fait une grosse connerie. En plus, le truc que je voulais le plus parmi les persos, c'était quand même, indépendamment que certains soient forts, c'était d'avoir ben, du coup le read, le sel et le bout en termes d'extrême. Dire après, je sais que les. Il y a certains qui sont pas très forts et tout, mais je voulais principalement des extrêmes, je les ai pas tous eus. Juste moi que le seul en fait. Après, je vais pas me plaindre, en soi, j'ai déjà eu pas mal de persos. J'ai enlevé le son parce qu'on se fasse. Non, droit d'auteur. Donc, en termes de SSR, j'en ai 4, 8, non, c'est 5, 15, 20, ouais, j'en ai 22. Donc, en soi, techniquement, en termes de taux, c'est pas mal, mais. Je suis dégoûté, en plus j'ai pas fait gaffe qu'en plus j'ai pas fait deux invocations. Non, je vais pas continuer à plus là-dessus. Même si en soi je voudrais bien il dégain plus que l'autre. J'en ai 260 quoi. Et ce que je veux dire c'est que. Eh mais j'ai pas obtenu le vieux cache, j'ai fait une invocation sur le type agilité, on va voir ça tout de suite. Mais ce que je voulais dire c'est que. En soi là techniquement je vais avoir. Attendez, j'ai dit un truc, mais j'ai 70. Mais je sais même pas pourquoi je fais une capture d'écran. On a toujours la musique, c'est génial. Pièce bleue. Hop, je peux les acheter. Ouh, loulou. Alors. J'avoue, en termes de perso à proprement parler. Je préfère quand même Super Boo. Mais en soi, il y a déjà pas mal de Boo qui vont s'éveiller dire cette année, l'année des Boo. Techniquement, déjà avec le délire du Boo Tank, c'est tout. Mais en termes de GT, bah oui, c'est vrai que. What? Les persos, j'en ai combien en plus? Après, là, de toute façon, je me l'achèterai après la vidéo. Mais de toute façon, je vous le dis clair et net, je m'achète. Le Metal Rildo. Je sais pas pourquoi je suis parti de ces gens qui aiment déjà de base GT. Et en soi, après, il faudra attendre encore qu'il y ait un nouveau, un DDF Rildo Goku ou juste un DDF Rildo. Mais moi, j'adore le design du perso, je l'adore. Donc, en soi, le moment où il y en aura un, vous me verrez sur Twitter et presque partout dire que je suis super content qu'il y ait des persos GT. Parce que, en soi, certes, il y a des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas GT alors qu'ils n'ont pas regardé GT. J'ai regardé GT il y a moins d'un an et demi et j'adore la série. Donc, en soi, techniquement, la plupart des persos de GT, je les aime bien en termes de design. Et en plus, il y a quelque chose ben, d'unique en genre de GT qu'il n'y a pas des fois dans Super. Parce que, certes, si on prend indépendamment de Baby Vegeta, qui est un peu une reprise de Black Goku, ben, par exemple, les Dragons Maléfiques, Leji, après Super C17, c'est juste une copie de C17 et tout. Mais en tout, il y a des trucs originaux que j'aime bien dans GT. Donc, voilà, j'ai arrêté de. Blablaté par rapport à ça, je vous dis à la prochaine et à bientôt dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao!